Yo mercenaires, vous l'avez demandé depuis des mois et finalement lors de la vidéo consacrée au Xelor, vous avez voté en nombre pour que la prochaine classe traitée soit le Pandawa. Et bien mercenaires, voilà enfin cette vidéo afin que vous sachiez comment monter cette classe sur Wakfu. Comme d'habitude, si jamais vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour l'évolution de la chaîne. Et dès à présent, vous pouvez voter en commentaire pour la prochaine classe que vous souhaitez retrouver pour cette série de vidéos. Allez, traînons pas plus, c'est parti pour cette vidéo consacrée à ce maître du placement. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais le guide que je vous propose vous aidera surtout à avoir un Pandawa convenable pour les rôles qu'on lui demande principalement d'accomplir, à savoir bien entendu le placement, mais aussi dans une moindre mesure le soutien et le tanking. Ensuite, une fois plus à l'aise avec la classe, vous pourrez bien entendu la modifier à votre convenance. Allez, on commence tout de suite avec l'intelligence où on va monter comme d'ordinaire la résistance au maximum et le reste en points de vie. Ici, rien de spécial à commenter. Poursuivons avec la force où on va investir la totalité de nos points dans les points de vie. La priorité d'un Pandawa support n'est pas de taper, il va briller surtout par sa capacité de placement. Je dirais même qu'il va vous permettre de créer des situations stratégiques vraiment uniques en plaçant idéalement vos ennemis pour prendre vraiment cher. De ce fait, le Pandawa est souvent au front. Il vous faudra donc de quoi tenir, d'où notre décision ici de maxer les points de vie. On continue avec l'agilité où il nous faudra mettre le maximum en volonté, 10 en tacle et 20 en initiative. Le Pandawa est un support crucial pour votre équipe. Il se doit d'être parmi les premiers à jouer pour pouvoir mettre si possible vos classes de dégâts dans des conditions optimales. Toutefois, veillez à ce qu'il ne joue pas avant vos autres classes cruciales de soutien, Jeep, Feka ou Enutroph, qui vont devoir faire un travail plus important que le vôtre. Pour l'esquive, on s'en fiche vu qu'Éter rend intaclable et le tacle on en a plus que ce qu'il nous en faut. Du coup, on va opter pour la volonté, histoire de résister les retraits de PAPM qui peuvent être très gênants suivant certains donjons. Allez, on arrive à la chance où on va vraiment se la jouer tanky ici en mettant le maximum en parade, 20 en résistance critique et également 10 en résistance d'eau. On optera pour maxer les résistances critiques qui ne peuvent être esquivées peu importe notre manière de jouer, là où les résistances d'eau peuvent être beaucoup plus situationnelles que les critiques. Et enfin, nous arrivons aux caractéristiques majeures où nous ne sommes plus dans ce fameux classique PAPM résistance dégâts finaux, mais plutôt sur un PAPM résistance et point Wakfu dans cet ordre. Un Pandawa support, ça consomme énormément de points Wakfu, il va falloir plutôt prioriser ça, d'autant que les dégâts en s'en fichent sincèrement, et la PO c'est le cadet de nos soucis pour le Pandawa qui est, je vous le rappelle, le maître du placement. C'est pas rien d'avoir un titre comme ça, ça claque. Allez, on en a enfin fini avec les caractéristiques, place désormais au deck du Pandawa. Comme d'habitude, le code deck du Pandawa est disponible en description, mais avant que je vous présente l'essor du deck qu'on a construit, je dois vous expliquer l'état particulier du Pandawa qui va grandement nous intéresser, l'état d'ivresse. Comme vous le savez, un Pandawa ça consomme plus que de raison du lait de bambou. Mais un Pandawa digne de ce nom s'est alterné entre ivresse, sobriété et gueule de bois comme s'il changeait de chemise. L'ivresse sera le stade nous octroyant des dégâts, du coup inutile pour nous, la sobriété ce sera l'état où nous serons neutres, et la gueule de bois s'axe sur les résistances, beaucoup plus intéressant nous concernant. Vous allez devoir donc garder à l'esprit qu'il nous sera obligé de finir nos tours en étant ivre afin de passer en gueule de bois. Voilà, ceci étant clarifié, on peut passer aux passifs que nous avons sélectionnés. Pour le coup, les passifs d'un Pandawa support sont assez simples. Tout d'abord, maître de l'ivresse pour son gain de statistiques dans les différents états. Il est assez pratique de profiter d'un PM supplémentaire quand le Pandawa aura besoin de mobilité pour déplacer les monstres. De plus, ce sera notre principal moyen de génération de points Wakfu. Ensuite, tonneau sans fond permettra à notre tonneau de durer plus longtemps, ce qui fera le bonheur de nos assoiffés préférés, mais surtout ce passif permettra de récupérer gratuitement notre tonneau en fin de tour, ce qui peut vite s'avérer vital. Tonneau agressif, sur ce passif, les dommages infligés seront inutiles dans l'optique de notre Pandawa support, mais la réduction du coût de Karchamrak pour porter le tonneau est très utile si besoin, du coup on le met dans notre deck. Bon Bouteille est un des meilleurs passifs du Pandawa. En plus de réduire le coût d'Éther à 1 point Wakfu, il permet surtout au Pandawa de gagner passivement de grosses sommes d'esquive et de tacle suivant s'il est ivre ou en gueule de bois. À vous de bien jauger selon la situation. Pandémie pour son bonus de tanking important, que ce soit les résistances ou le fait de rediriger 20% des dégâts vers le tonneau, c'est clairement un must-have pour nous. A noter que si vous invoquez directement votre tonneau sur vous, le passif se déclenche quand même. Du coup, ne paniquez pas si vous avez pas un endroit disponible autour de vous pour invoquer votre tonneau, cliquez sur vous, ça le fait. Buvette, qui est assez dur à rentabiliser puisque le bonus se déclenche autour du Pandawa, toutefois cela peut vous permettre d'accélérer les dégâts sur des phases de combat de boss qui peuvent durer quelques tours, voire même contre un boss ultime par exemple, vu que les placements varient assez peu. Voilà qui conclut nos passifs, passons désormais aux passifs actifs, et ici ne cherchez pas, il nous les faut absolument tous. Ils ont tous leur utilité, bien entendu tonneau, sans quoi vous ne pouvez pas boire chaque tour, nous passons de notre précieux état gueule de bois, qui en plus de ça nous fait augmenter nos résistances au fil des tours via Pandémie, Happy Hour qui est un sort couteau suisse pour le Pandawa, que ce soit pour le placement via le tonneau, le soin, le tanking, c'est le top. Mais attention ça coûte assez cher quand même. Éter qui est simplement indispensable, il nous donne 2 PM et stabilise et permet aussi de rendre intaclable le lanceur ou l'allié ciblé. Téléport tonneau qui est notre plus puissant sort de déplacement puisqu'il permet de se rapprocher rapidement de notre tonneau pour simplement 0 PA, en plus de ça la portée est modifiable. Ensuite Ébriété qui est un des nouveaux passifs qui nous permet de passer ivre dès le tour 1 et donc qui nous permet de donner un boost de PA à moindre coût au passage ivre. Il est important toutefois de noter que le sort entretient l'ivresse et donc pour la gueule de bois il nous faut attendre le tour 2. Et enfin Soif qui est utile principalement pour ses capacités de placement d'alliés, l'imbibage étant assez anecdotique. Fontaine de l'écœur pour la branche eau qui va nous permettre de faire de jolis placements en zone si vous lancez ce sort sur le tonneau. Pour les sorts élémentaires côté feu on prendra Couletteux qui sera notre moyen principal de déplacement tant il est peu coûteux, et Souffle laiteux simplement pour sa capacité à consommer l'état imbibé pour un coût très faible et donc permettra à notre Pandawa de régénérer ses points Wakfu tout en retirant les résistances aux besoins. Pour la branche terre on prendra Cirrhose car si le combat commence à devenir ardu, il pourra nous permettre de générer un peu d'armure pour encaisser un peu plus. Le deuxième sort sera Frappe fut pour la génération de résistance et de tacle, et enfin Triple karma Lead qui nous permettra d'ajouter encore du placement grâce à sa capacité d'attirer ou de pousser en fonction de s'il porte ou pas un tonneau. Et voilà les amis pour cette vidéo consacrée au Pandawa. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez dès à présent voter pour la prochaine classe que vous souhaitez retrouver dans cette série de vidéos qui a définitivement conquis vos cœurs, c'est certain. D'ailleurs n'hésitez pas à la recommander à vos amis s'ils éprouvent quelques difficultés à construire leur personnage en jeu. Allez, il est temps pour moi de rendre l'antenne, c'était Zaki pour vous servir, ciao.